Peut-on parler de terroir francilien dans une région aussi cosmopolite et contrastée que la nôtre? Le terme semble un peu décalé. Et pourtant, deux jeunes entrepreneurs ont décidé de jouer à fond cette carte. Ils viennent de lancer des biscuits 100% franciliens produits, ça ne s'invente pas, à Crépières dans les Yvelines. Geneviève Faure avec Norbert Cohen. La ferme neuve à Crépières dans les Yvelines, située exactement à 29,7 km de Notre-Dame de Paris. La proximité, c'est le concept de Louis Bataille et Guillaume Caffin, faire des biscuits avec des produits bien de chez nous. Ici, vous avez la farine des moulins de Brasseuil. Ça se situe à Offreville-Brasseuil, dans les Yvelines. Ici, notre coquelicot qui vient de Nemours, notre miel du Gâtinais. Et vous avez aussi nos œufs, notre beurre, qui viennent de la région d'Île-de-France également. À 24 et 25 ans, les deux garçons qui se sont rencontrés à l'école de commerce de Cergy-Pontoise ont investi près de 100 000 euros dans leur entreprise, embauché une pâtissière et créé avec elle leurs recettes. J'ai fait mes petits essais, moi toute seule de mon côté. Et avec Louis et Guillaume, on a goûté, regoûté, réessayé, raté aussi. Et finalement, c'est réussi. Biscuits au coquelicot, aux pommes, au miel ou à l'amande poivrée. Les deux gourmands sont en pourparlers avec des épiceries fines pour la distribution et tablent sur une production de 3000 biscuits par jour d'ici un an. L'Île-de-France, c'est avant tout agricole, c'est 75% de plaine et forêt. Voilà, avec des territoires d'une très grande richesse. On a le territoire de la Brie, le territoire du Gâtinais, toute la plaine de Versailles où on se situe nous, qui sont des régions agricoles très riches. Et on a envie d'expliquer très simplement aux franciliens que bah, proche de Paris, il y a des très bonnes matières premières, des très bons ingrédients, avec des gens qui font perdurer des savoir-faire depuis plusieurs générations. Et sur la boîte, l'origine des produits est même notée, kilométrage à l'appui. 3,50 euros le petit paquet, 8,90 euros le grand. La qualité et la proximité ont un prix.